Eh bien bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui, jour de sortie de Minecraft Story Mode, et bien tout simplement pour découvrir ce jeu ensemble. J'ai acheté le jeu via la plateforme Steam hier, le 13 octobre, mais il n'était disponible en téléchargement apparemment. Bonjour, je l'ai trouvé ce matin téléchargé, hier je n'ai pas pu y jouer. Je ne connais pas l'histoire. Évidemment, je connais Minecraft, hein, évidemment. Je ne connais rien d'autre, mais on va dire un Minecraft avec une petite histoire, on pouvait pas trop passer à côté. On va découvrir ça ensemble. Alors allons-y. Déjà, je me suis chargé de regarder dans les paramètres. Qu'est-ce qu'on a ? Alors les contrôles. Les contrôles, eh ben, on peut pas les changer. Ok, alors on est sur la QWERTY. Alors j'espère que... Sinon je passe en QWERTY. Alors, d'accord. Inventorie, couvrement, d'accord, ça a l'air quand même assez simple. Audio, vidéo, le gameplay, qu'est-ce qu'on a? Ça, on s'en moque. Au niveau des graphiques, on va laisser tout ça, ok, comme ça, ça me va. TTG Account. Donc, sauvegarde dans les nuages, non. Les crédits, on s'en moque. écoutez, c'est parti. Alors, ça c'est sympa. Choisissez votre apparence. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai cliqué comme un malheureux. Attendez, voir. Non, je peux revenir. Voilà. Retournons. Non, attendez. On va prendre celle-ci. Est-ce que je peux... Ah non, celle-ci. Alors attendez, celle-ci on va la supprimer. Bon écoutez, c'est normal. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui, je suis sûr. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, choisissez votre apparence. Alors on a donc trois, je pense que ce sont des femmes en haut et des hommes en bas. On va prendre... voyons voir. On va aller à la classe à Vegas. Ouais. Ouais, ok. Bon. Entre femme et homme, quand même pas beaucoup de différence. À part celle-ci, à la rigueur. On va rester sur... sur John. Ou Brian. Alors, on va commencer donc l'épisode numéro 1, qui s'appelle The Order of Stone. Allons-y, c'est parti. Alors, ce jeu s'adapte au choix que vous faites. Nothing built can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. But when one story ends, another one begins.
Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Yeah. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them with your hands. I'd have to go with the giant chickens, not because I want to or because I think it would be easy, but because they would be an abomination. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm-hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm-hmm. I didn't want to just leave Reuben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? What kind of question is that? Of course he is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, amateurs. He's my wingman. People always want to talk to the guy with the pig. You mean talk about the guy with the pig? Like, look at the weird guy with the weird pig. How weird. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. I'm tired of being a laughingstock. We are not losers, Olivia. We lose all the time. It's what we do. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. All right. Fine. You hear that? Oh, no. Boom! You guys totally freaked out. That was on. Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. I thought we were buddies. That's what you get, Axel. I brought you good times and now I'm being punished for it? You scared us half to death. Nothing is fun if you're not scared half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. He looks awesome. Évidemment qu'il est magnifique. It only took me like a million hours to build it. All right. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. See, now he's your wingman. Stop. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Okay. Bien, je crois que l'on va pouvoir commencer. Voilà. Dans cette introduction, on a pu voir qu'il y avait donc un groupe de 4 personnes, chacun dans sa spécialité, et qui ont finalement eu pour mission de terrasser l'Ender Dragon. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont aujourd'hui morts, et nous retrouvons aujourd'hui notre personnage accompagné d'autres personnages qui vont certainement devoir accomplir la même mission, je suppose. Alors, la première partie de cette introduction nous a permis aussi de faire quelques choix, puisque apparemment dans l'aventure, des choix nous sont proposés et vont peut-être modifier la suite de l'aventure. C'est ce que j'ai cru comprendre, maintenant je ne sais pas. Ensuite, mon anglais étant absolument catastrophique et n'ayant pas de sous-titres, les choix que j'ai faits sont peut-être un petit peu aléatoires pour la plupart. Je regarde s'il y a la possibilité de mettre les sous-titres. Display. Ben non. Ça aurait été pas mal. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux que les sous-titres, ça va au moins nous aider un petit peu. Ok. Alors voyons voir, je constate que je ne peux que bouger mon bonhomme, que ma souris ne sert qu'à balader le curseur. Donc on m'a demandé de prendre mon stock. Ok, j'ai pris donc ma pince à chip. Est-ce que j'ai autre chose dans ce coffre? Non, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce que je peux regarder? Une bannière. Je peux regarder One la of these bannière. Days, we're gonna win the Endercon building competition. Alors un jour, je gagnerai la construction. Jesse and Reuben, winners of the Endercon building competition. Voilà. We really should change the name. Donc un jour, voilà, ils diront que j'ai été le meilleur constructeur. This stand is a gift, but don't have any armor to put on it. Maybe someday.
Voilà, donc on lui a fait un cadeau, mais peut-être qu'un jour on mettra une armure dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une affiche, une bannière, donc Gabriel. Gabriel, the warrior. You think we'll ever get that famous? Ah oui, donc ça c'était un guerrier. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Ok, donc il demande sa collection. Qu'est-ce qu'on a encore? Un coffre ici. Qu'est-ce qu'on a? Flint and steel, not too shabby. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah oui, un briquet. Ok. Bon, mon cochon. Give me a dragon lore, Ruben. Allez, fais-moi un gros numéro de dragon. Wow. That'll do, Ruben. That'll do. C'est bien. C'était pas mal quand même. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah ici, apparemment, les interactions sont limitées. Hein. Voilà. Allez, on y va. Alors c'est vrai que là c'est un petit peu déstabilisant puisque c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de jouer à Minecraft. Alors j'imagine que ça va changer après. That's everything. Let's roll. Let's roll. Allez. Pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part 1, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Apparemment la compétition va être dure. Part 2, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally, he's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. Mais comme il ressemble à l'Ender Dragon, so, peut-être que Gabriel aurait envie de le défourailler. Does this source of yours make posters for a living? Huh? Alors? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's d'accord, stay ses sources sont pas très bonnes. C'est seulement ses amis. We ok, never donc là, ils seront dans la compétition. And this year, we've got Ruben with us. We basically have no chance. Alors, mais bien sûr que si. Nous allons gagner cette We're fois. We're going to win because. What are you talking about? Because up to now, we've hated losing, but today, today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. That didn't sound as good as it did in my head. No, no, I'm with that. Ok, on positive, on positive. Right. On va gagner cette compétition, même si on est des losers apparemment. Mais on va gagner. Isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? Fabriquer un creeper, fabriquer un Enderman. They both have their moments. Un zombie, Enderman. Alors un creeper, un Enderman ou un zombie? Allez, je demande un zombie juste pour voir. Build a zombie. I guess that's kind of like a creeper. Il préfère un creeper. It's a monster. It's fine. Ok. We are so ready. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. On ne peut pas perdre. Allez les amis, allons gagner. Dare to prepare on three. No, no, no. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Team. Prepare. Ok, bah voilà, je pense qu'on a remonté le moral des troupes et on est prêt pour aller à notre compétition et pour construire donc du coup un zombie. Ok, donc je pense que là on a affaire à de l'entraînement. Ok, donc il s'entraîne. Hein. Ok. Ok, ça c'est rapide. Bon, allez vas-y, chevauche de la pieuvre. Ah d'accord, ok. Ok, vas-y mon petit. Allez, l'œil du tigre. Allez vas-y. Regardez-moi ça, c'est formidable, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Ok, quelques abdos. Allez, on continue avec... un petit peu de minage.
Les satons du mouton là. Ah ouais quand même. Ah on déchire là, on déchire. Ok, je crois qu'on est prêt. On est bien entraîné. Et on est pas mal. Ok, bon bah c'était sympa. C'est bien sympathique. You know what we're building? We've got all the stuff for it. We are so ready. This year, ok, on est prêt. Cette année, ce sera différent. I'm ready to win. Je ne suis pas juste prête pour construire, je suis prête pour gagner. Bon, bonne chance les, les losers. There's Lucas and the Oslo, donc la rivalité des rivaux. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Bien. La bande des blousons noirs. Hein. Name, please. Axel. And how do you do? No, your team name. Team name? Je we are not ready for this. On n'est pas prêt pour ça, on n'a pas prévu de se donner un nom. Alors, Rose the Nevermaniac, the Dinander, l'ordre des cochons, ça me paraît bien. Really? Choose your team. Is it meant to tie us to Reuben, or are you making fun of me? Okay, order of the pig. You guys are in the fight. Voilà, on est la team des cochons. Il est un peu enrobé, mais je suis sûr qu'il est efficace. Bien, alors, écoutez, je m'arrête là pour tout ça, pour cette première vidéo de présentation du jeu. Tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir m'arrêter de jouer, je pense. Mais tout simplement parce que je dois couper quand même pas trop tard, parce que je vais avoir du mal à la mettre en ligne sur YouTube. Donc, je coupe ici pour cette première partie. Je ne peux pas sauvegarder, c'est génial. J'espère que je peux. Nous coupons donc ici pour cette première partie et je vous dis donc tout de suite, je pense, pour la suite de cette aventure. A tout de suite, ou sinon à très bientôt et bonne journée.